Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier d'abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a commencé. Cool, yeah. 8 forages déjà finis dans la localité Noaï et zone Peigné pour alimenter et puis permettre station pompage tabac 68 là fonctionner normalement. Station pompage tabac 68 là pral alimenter réservoir 1500 m3 dans silo ak yon lot 2000 m3 dans Vivi Michel. Travail sa yo selon directeur général d'INEPA Guito Edouard pral permettre direction nationale de l'eau potable ak assainissement satisfait besoin plus moun dans différentes localités dans commune tabac Delma ak Pétionville. Qui ça pratiquement 34 000 mètres cubes d'eau par jour pour bail au niveau de la région métropolitaine. Nous connaissons, si nous faisons face à un gros problème au niveau de Delma, côté que Delma vit de pompage, parce que rivière Delma, pour jouer l'eau, c'est pompé pour pomper, ou bien au niveau de la plaine du cul de sac, tabac, ou bien c'est à travers le tunnel Tikinian et pour nous citer ça seulement que nous faisons arriver. Mais avec 34 000 m3 maximal par jour qui peuvent rentrer dans le réseau, eh bien ça permet bon côté d'Elma au niveau du réservoir silois, eh bien alimentation ça, ou bien augmentation de disponibilité de l'eau garantie. Mais au niveau du réservoir du Michel, qui compte la capacité de 2000 m3, l'ultime capacité de 2000 m3, nous dépendons de plus de 528 000 gallons d'eau. Eh bien, tout, non seulement zone tabac 68 là, toute zone extension ça va l'alimenter, mais il y a une grosse zone qui, depuis le fond jusqu'à date, pas aucun tuyau passé là-dedans. C'est Vivi Michel. Eh bien, Vivi Michel, pour l'alimenter, marché ça à grand temps, de marché qui est le marché de distribution à grand temps attribué, ou bien presque attribué. Donc, n'a en mesure, quoi que ce soit, passer Vivi Michel, mais la prendre du temps pour nous construire les réseaux de distribution, pour nous faire monter Vivi Michel, passer par Vivi Michel. Virer sous le frère, passer bonne journée à la, reprendre sur le Michel en passant par public, privé, bon réservoir là, pratiquement faire pour ça, et mais c'est tout pour ça qu'il va alimenter. Premier ministre Joseph Jout, bon côté pâle, dit satisfait pour réalisation de travail ça, pendant qu'il encourage les gens qui ont pour bénéficier du projet, payer service là. M'a appelé toute la population pour nous comprendre. Même genre avec l'électricité, l'eau, il faut qu'on produise l'eau, il faut qu'on compter, ça va le transport du nucléaire, il faut qu'on distribue, ensuite, il faut qu'on commercialisation. Ça veut dire qu'il y a un pile d'argent qui est dépensé pour construire le système, mais tout, il y a un groupe qui a continué de dépenser pour non seulement fermer les pneus, faire entretien du système, payer un poids pour continuer le travail, ça veut dire que l'autre loi venue, il faut que nous connaissions que nous utilisons le loi pour ça. Parce que là, ce n'est pas des pas de loi, nous achetons quand même l'eau. Et l'acheter, c'est nous qui nous connaissons, nous ne connaissons pas. Qui, quantité de chlore que nous mettons là-dedans, est-ce que nous pensons que ce n'est pas bon? Mais si nous sommes regardés le système là, nous voyons que le système, non seulement nous avons loi, Ils ont traité de l'eau et nous avons l'eau de bonne qualité, l'eau potable que nous avons directement depuis nous n'avons pas pollué, nous allons vivre dans la caille. Ok? Ça veut dire, n'a pas pour payer de l'eau, continuer, faire le système fonctionner pour la pérennisation de ce projet. Ce groupement Soeco Nkatema cap exécuté projet ça, qui joue un financement l'agent Banque Interaméricaine Développement. Bid. La direction centrale de la police administrative, à travers les 10 départements géographiques du pays, rive faire 6407 interventions. Tandis que DCPJ, pour col, fait 118 interventions. Ce qui va s'arriver bientôt,
6525 cas côté la police est intervenue. Même si, bien entendu, il y a des situations côté été obligé et mobiliser plus ressources humaines, plus logistique, parce que toute intervention n'a pas nécessité même moyen. Alors que par intervention ça, la direction centrale police administrative à travers ces 10 départements et les services de la police judiciaire de ces départements, ils arrivent à faire 4563 interpellations, tandis que la police judiciaire fait 118, ça baille en tout 4681 interpellations que la police arrive à faire dans l'ensemble sur tout territoire, sorti mois d'août pour arriver mois d'octobre. Vous saisissez à tout. Si la police administrative arrive à saisir 145 armes, parmi eux des armes de poing et des fusils de guerre, police judiciaire là, l'arrivée saisit 66, ça baille en tout 211 armes qui saisit pendant période 3 mois terminator ça, et policiers de différentes unités dans la police là a mené opération sur l'espace public. Si vous saisissez armes, certainement vous avez des munitions. Police administrative, bon côté de parle à travers les ports et les aéroports et les différentes intersections, ils arrivent à saisir 7927 munitions, tandis que police judiciaire, 14201 munitions, ça baille en tout 22148 munitions. Quand sous nous, c'est toujours un problème que nous lié et la pays. Parce que quand ils ont vendu n'importe quel genre et en pile fois les vendus pas même bien, c'est à une ou à plusieurs cantines. En 2013, nous avons commencé à prendre des mesures pour nous limiter ou du moins pour éliminer 20 cantines sans que le client acheté cantine n'a pas gagné une pièce d'identité. Mais malheureusement, depuis à peu près 3-4 ans, mesure ça ne vient pas vraiment respecter. Donc, lorsque moi j'ai gagné une chance pour me retourner à Conatel en octobre 2019, et moi j'ai fait constat, et moi j'ai pris des mesures, moi j'ai commencé à travailler moi-même avec l'administration, ainsi que l'opérateur, nous avons commencé à discuter pour nous voir qui gens que nous sommes capables d'éliminer le problème ça une fois pour tout. Tout d'abord, le point que nous avons fait, qui est clair. Et en plus, nous nous comprenons que Conatel a des informations sur clients qui gagnent un code signe. Ce n'est pas le rôle Conatel pour gagner des informations sur les clients qui ont un code signe. C'est le rôle opérateur de la vente de code signe pour lui gagner des informations clients. Donc, qu'on appelle pas là pour c'est lui-même qui a collecté l'information. Donc, qu'on appelle là pour imposer des règlements qui pour obliger l'opérateur, leur avocat SIM, pour une pièce d'identité, de façon que quand SIM ça est capable de retracer qui est ce qui est propriétaire. Donc, ça, c'est l'opérateur qui a des responsabilités. Hein. Et responsabilité qu'on appelle pour nous là, c'est pour imposer un règlement. De manière que l'opérateur reconnaît qu'il n'est pas capable de vendre au code SIM sans que par gagner une pièce d'identité. Et jeudi, justement 3 novembre, c'est le jour de lancement officiel du processus pour l'homme nous d'acheter au code SIM, pour nous toujours gagner une pièce d'identité pour le présenter. Mais c'est sur l'expérience que nous faisons. Nous toujours connaissons que même le règlement ça nous impose, pas de rien qui garantit que le vendeur qui est là, il va respecter. Maintenant, nous travaillons avec l'opérateur, nous combinons avec un système et, qui permet que nous éliminer au maximum l'utilisation frauduleuse ou
utilisation illégale de toxines. Tout vendeur a gagné un smartphone ou téléphone intelligent. Téléphone intelligent, ça a gagné une application. C'est opérateur qui a bâillé l'application. Ce n'est pas qu'on appelle, c'est Nacom développer l'application. Hein? Digicel développer l'application parle en fonction de conditions que l'on appelle établi. Là où on va la chocotim, il y a plein de téléphones, il y a ouvert l'application, hein? Et puis il y a plein de photocotim. Vendeur n'est pas capable de changer un lien la photo que. Et la photo va d'identité ça. Donc une fois que l'application prend photo ça, l'application a déchiffré toute information sous biais d'identité client. Et une fois que l'on déchiffre, la voyez l'opérateur. Nous bail opérateur. Nous avons de temps pour le système opérationnel à 100% sur le territoire ici. Comportement sécurité là, mais ça le dit. Où sont jeunes filles? Ou pas prêt contact à moi ou pas connaît? N'importe où parler l'eau ou à jeune. Et que précaution ça faut prendre. Oui, jeune fille ou jeune garçon? Oui, jeune fille ou jeune garçon. Prends le temps pour qu'on ait mon anticasse plus. Ou n'y a la rue mon envie de parler avec vous. Prends le temps qu'il faut pour qu'on ait mon nom. Pour qu'on ait pour qu'on sorti qui ça l'a fait. Ça c'est une. Comportement sécuritaire. Sous la banque, ou pas chercher un petit com. Moun pas besoin qu'on ouvre la banque. Voir pour moun ta connaît. Quand c'est qu'on va changer. Si par exemple, ou pas comme vieux cas, ou pas le couler dalle là. Yo connaît que dalle là, un petit com. Tout le monde pas besoin qu'on ouvre le couler dalle. C'est un petit exemple, moi, où ou pas sauter dans la rue ou dans la machine. Téléphone, non. Ou chita nos machines, ou perdu, ou pas conscient de milieu, hein, parce qu'on texte, on chat. Faut bon comportement, faut qu'on ait que, mais j'ai une situation, hein, et que pour garder contre toi mes pieds. Donc, nous avons d'abord 1000 exemples, mais depuis on conscient de ce qui a passé dans le pays, hein, ou qui est en Asie, conscient de ça. C'est leur perdu tête. C'est leur n'dadou consacré comme si c'est vous seulement qui vivez dans le monde. Ou marcher, téléphone ou dans mon, ou tête, téléphone ou dans le ou machine à quatre fois, non pas attendre. C'est un comportement non sécuritaire. Ou pas capable, tout le monde qui a téléphone ou bail n'importe qui mon téléphone ou pas là n'importe qui mon sous téléphone. Nous toujours nous téléphone. C'est pas un comportement sécuritaire. Ou sorti, pas de raison pour sorti. On va nous ou déjà un faux chef de privateur dans tête tout, on va nous dire un pendier arrivé juste sous un poil, on va nous dire un longueur ou une valise qui prend 4 manites du Miladon. Tout ça, c'est attirer bandits vers nous-mêmes. On ne peut pas sécuriser dans le désordre. Il faut mettre de l'ordre d'abord et puis sécuriser ensuite. Parce que la sécurité n'y implique qu'en formule. Vous faites mieux pour mettre sécurité, c'est pas de la magie, c'est scientifique. Maintenant, un pays, Haïti là, ou pas qu'à mettre sécurité, s'il pas en sûreté, ou pas mettre sûreté publique d'abord. Parce que sûreté publique, à qui ça l'a fait? C'est lui-même qui parle de certaine organisation, une structure sociale payante, et c'est organisation, ça y est, qui prend le permettre tout. Appliquer formule pour sécuriser le pays. Et quand tu as fait tout le côté, pas magie, non? C'est science. Parfait. Là, l'idéal, je veux dire, c'est qu'on y va avec une politique publique en matière de sécurité qui permet que les réponses appropriées pour Tia Sangila. Exactement. Mais là, il y a des CIO, parce que là, il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas de temps. Il y a des problèmes saillants. Qui ça signale, il y a de là. Maintenant, le volonté en fin là, l'État, ou bien là, pour aller chita, monde qui est capable, chita avec eux, pour développer. Une stratégie, des stratégies avec la police et la population qui pour porter une certaine amélioration ponctuelle à chaque gala. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là.
et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin, bon matinée.